Et après, on me dit, mais Thomas, franchement, tu critiques Assassin's Creed parce que t'es qu'un rageux, y'a un balai qui vole. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas bien. C'est incroyable. Des hommes au cœur émis de boulanger, prêts à sauver le monde contre la tyrannie de je ne sais pas qui. Parce que le scénario, personne l'a lu. Tout le monde s'en bat les couilles. Enfin, faut l'avouer. J'ai atteint la porte. C'est la fin du jeu ou pas? J'aimerais beaucoup. Fermé. Si j'arrête les machines, cette porte s'ouvrira et je pourrai atteindre Ferris. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux couper toutes les machines pour ouvrir une porte? Je mets en péril toute l'économie mondiale pour ouvrir une porte. Allez! Assassin's Creed, un jeu à la cohérence inégalée, respectant les moindres détails de l'époque. C'est une technique que j'ai apprise, c'est des combats de rue, tout ça, moi je connais. Oh là là, c'est pas bien du tout ce jeu. Mais je vais mourir contre ce mec là? C'est une blague? Le mec a une opinion, il me fait mal. La caméra sur 20. Les mecs font des poses à la Jojo, tu sais, ça n'a pas de sens. Je sais même pas c'est quoi le nom du personnage. Localiser et assassiner Robert Ferry. Mais moi j'ai rien contre Robert Ferry. Rendez-vous devant les toilettes du collège. Il y a un monsieur qui marche dans le vide, mais enfin. C'est pas moi qui veut du mal à ce jeu, c'est le jeu qui me veut du mal, quoi. C'est... Mais on se fait chier! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais... C'est pas bien! Il faudrait emmener cet homme chez l'apothicaire pour qu'il pense ses plaies. Bien. Mais retenez-lui sa paye. Mais enfin, appelez les prud'hommes! Je suis impatient de négocier avec vous, monsieur Ferris. Je suis impatient de quitter ce jeu, monsieur Ferris. Pensez qu'à la fin, le jeu il va être bien ou pas? Mais on voit rien dans ton jeu de merde là. Mais il appuie sur X! Meurs! J'ai serré un écrou de la machine de Starik. Un gros écrou. Mais ça ne changera rien. On s'en bat les couilles! J'ai enlevé mon câble! C'est l'histoire de la vie. On est sur un train! Oh là là! Le trafic est interrompu sur la ligne B du RER. Des FDP au charisme inexistant se battent dessus. Waouh, on se fait trop chier! On change de rail. Oh, nique sa mère, la SNCF! Elle a le charisme d'une prof de français de 6ème. Que se trouvera le fragment d'Eden? La classe B5 de 6ème B. C'est là que je dois faire mon cours. Putain, mais on se fait chier! Mais qu'est-ce que vous branlez sur les wagons? Mais personne ne prend le train comme ça! Qu'on soit dans les années 1800 ou en 2016, personne ne se met sur le toit du train pour prendre le train! Non mais j'ai une canne, c'est trop innovant comme gameplay quoi! Venez, on arrête de jouer maintenant parce que c'est pas bien!